Dans une liesse populaire, le président du Sénat, Marcel Nyandi Fendji, a été porté en triomphe par une foule de militants et sympathisants venus l'accueillir. Au sein de celle-ci, se trouvant en bonne place, les élites et forces vives du département d'Yaoundé. Que ce soit en Tonga, Bantoum ou Batella, partout où il s'est arrêté, la convivialité et la communion étaient de mise. Venus de tous les coins du département et même de la région, élites, militants et sympathisants n'ont pas caché leur joie à travers chants, youyou, pour marquer leur reconnaissance à ce patriarche et bâtisseur infatigable. Ça fait quelques temps qu'il est absent, il était un peu souffrant, donc de son retour, c'était tout à fait normal que toutes les forces vives de la région sortent pour l'accueillir. Donc pour nous, c'est un signe pour implorer le Tout-Puissant de rétablir sa santé. La joie sur les visages, l'émotion était au comble. Vous avez vu à quel point il a fait communion avec son peuple, avec ses personnes, avec ses gens. C'est vraiment chaleureux, c'est vraiment émouvant de voir à quel point il est aimé ici à Banganté, comment il est aimé dans le Ndé. Je suis venu au Bekaï, booster notre morale, vraiment notre morale avant les élections municipales et législatives. Ce retour du président du Sénat, à moins de 48 heures du double scrutin du 9 février prochain, apparaît comme un élément galvanisateur pour les électeurs.